un ensemble, là, c'est quand même mieux. Mais c'est très difficile. Kobo-ichi, c'est l'idéal. C'est l'idéal, c'est-à-dire blocage, contrôle de l'attaque et contre-attaque. En même temps. Pas de temps de perdre. Mais aussi, c'est difficile pour vous, parce qu'on est plus habitué à faire du Tai-Sabaki, qui sort, c'est le Tai-Sabaki, c'est obligatoire, il faut bien le connaître. Tai-Sabaki, il faut savoir le faire. Hein? Mais il faut savoir bien faire Irimi. Alors, Tai-Sabaki, Irimi. Kobo-ichi, c'est contre-attaque, Irimi. Ou Irimi, entrée, contre-attaque, en même temps. Ok? Monsieur. Voilà. Donc, on va faire un peu de Tai-Sabaki quand même. C'est pour eux, hein? Moi, ça ne me dérange pas à gauche, à droite. Là, ici. Tsuki. Tai-Sabaki, mais ici, contre les distances. Voilà. Ah, ici. Mais Tadashiyame, il disait toujours faire un cercle avec les mains. Il faut l'accent. Pas à chaque avec les mains. Au début, je ne comprenais pas bien. Mais c'est un monsieur qui s'était bagarré pas mal. Et quand il y avait des bagarres au couteau, il faisait ça. Là, il tire le couteau, tu retires le couteau. Ah, Kayadi. Mais c'est ça, il disait, ça fait rien. Là. Mais c'est vrai qu'il avait des marques un peu partout. Hein. Alors, donc, ici, c'est quand même important, avant toute chose, avant de faire le mouvement, c'est de. Ah, voilà. Et vous voyez, ça va tout à l'heure. Tai-Sabaki. Voilà. Et oui, là c'est pareil. Ici. Pas de blocage. Pas de choses comme ça. C'est-à-dire, je vais chercher son poignet ici, 1, et après, ça va appuyer S. Ok? Vous allez chercher le poignet gentiment. Si effectivement ça va trop rapide, là, il attaque trop vite, je vais pouvoir bloquer.